Si tu parles à Dieu, tu ne réponds pas, c'est une idole. Comment un enfant peut parler à son père ne lui répond pas. C'est quel papa ça? Je pose la question. Quand ton enfant te parle, tu ne parles pas à ton enfant. C'est quel Dieu ça? Tout le temps monologue. Lui, il ne répond jamais. Est-ce qu'il est sourd? David, il est berger sur les montagnes. C'est un adorateur, un loueur, un chantre qui plaît au cœur de Dieu. Un petit berger qui a parcouru la terre. Il dit à Samuel, j'ai vu un petit chantre là, mais il a une grande destinée. Samuel dit un chantre pour être roi. Et dit Samuel, c'est moi qui dirige les choses. Il est petit, il est un chantre, mais il est un adorateur puissant. Quand il est seul sur les montagnes là, quand il m'adore là, tout le ciel est braqué sur lui. Ce sont ces adorateurs que moi j'ai cherché depuis longtemps. Il est trouvé en David. Donc quand il chante, quand il proclame, même moi je suis assis, je suis content. C'est ça que Dieu veut de nous. Dans Jean 4, il dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens dont le cœur est tout entier dans l'adoration. Des gens qui célèbrent Dieu. Des gens qui marchent avec Dieu. Des gens qui savent que ce chant qu'ils font monter à Dieu là n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça. Il se tient dans la présence de Dieu, uniquement pour Dieu. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans ta sainte présence. En toi, point de péché. Dans le très saint, je suis. Ça, c'est mon chant à moi. Vous l'avez dit autrement. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je chante deux, trois fois. Hein? Saint-Esprit, je t'adore. Ah bon? Jésus-Christ, je t'adore. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu. Quand je chante ça 30 minutes. Tu verras la présence de Dieu. Où mon ministère est développé sur ça? Tu verras la présence de Dieu manifeste dans ma chambre. C'est mon cœur qui parle. Je ne chante pas pour chanter. J'attire la présence de Dieu. Oui, c'est important. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, onction divine, onction céleste, onction, je suis là, l'instant, je me couche, même sur mon lit, il n'y a pas de péché dans ça.
Quand j'ai commencé ça, moi je voulais fuir parfois, la présence de Dieu venait dans ma chambre. Quand je vous ai dit, mon ange était là. C'est ça l'adoration. Dieu habite dans la louange, mais l'adoration provoque la manifestation de la présence de Dieu. Ça devient tangible. C'est comme si tu peux attraper. Et tu continues. Et la voix intérieure. Oh, Ryabakanda. Si vous connaissiez ça, votre vie sera remplie de joie, quels que soient vos problèmes. Dieu est réel, Dieu n'est pas un phénomène. C'est un ami à qui tu parles. Si tu parles à Dieu et tu ne réponds pas, c'est une idole. Comment un enfant peut parler à son père ne lui répond pas. C'est quel papa ça? Je pose la question. Quand ton enfant te parle, tu ne parles pas à ton enfant. C'est quel Dieu ça? Tout le temps monologue. Lui, il ne répond jamais. Est-ce qu'il est sourd? Il a dit les dieux de ce monde-là sont sourds. Mais moi, je ne suis pas sourd. Hein? J'entends. J'entends. Parfois, sa présence est jaunâtre dans ma chambre. Ça descend comme du feu, mais qui ne brûle pas. Tu crois que tout ce qu'on a eu là, c'est. J'ai demandé à un prophète de prophétiser. Les 700 églises dans le monde là. On a demandé à un prophète de prophétiser. Les 82 églises ouvertes en Côte d'Ivoire là, par le CIMIA. On a demandé à quelqu'un. Alors que plusieurs jeunes Ivoiriens sont là-bas, ils n'ont même pas ouvert encore 10 églises. Les églises qu'on vient d'ouvrir en RDC. Ça, Goma, Bukavu, tout ça là. Tchad. Centrafrique. Je reste ici. On les ouvre. Personne ne donne l'argent. Nous faisons tout pour que tous nos missionnaires soient un véhicule, leurs enfants soient pris en charge. C'est pas complet. Mais c'est ça. Dieu dit, parle-moi. Écoute. Moi, je parle à Dieu. Fils de Dieu. Toi, tu parles à Dieu. Fille de Dieu. Dieu ne te répond pas. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Ça, je n'aime pas ça. Hein? Il y a quoi? Les enfants vont voir leur père. Papa, j'ai besoin de chemises. Il donne l'argent pour la chemise. J'ai besoin de chaussures. Il ne donne pas l'argent pour la chaussure. Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question. Rapidement, il ne m'aime pas. Qui t'a dit qu'il ne t'aime pas? Tu as tant aimé le monde. Quand tu étais méchant, il t'a sauvé. Alors, il dit, après avoir donné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Change ta mentalité. Change ta mentalité. Rentre dans la mentalité divine. C'est ça la vie chrétienne.